Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Bon, bah avant qu'on commence ce nouveau petit déballage de magnifique petite tweet, hein, dont on sait pas trop d'où elle vient, on verra bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui doit être sur la tête à Van, voilà. Merci. Et le bouton est en bas, donc bah on va pas attarder, puis bah allez, c'est parti, on va voir ce que ça vaut. Allez, suivez-nous. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça avec notre assistant poilu comme d'hab avec nous. Alors, on va quand même prendre un petit... T'es gentil mon chat, mais on aimerait ouvrir. Bon, alors... Ouais, ça peut être dangereux ça. Oui. Bon, bah je crois que là, tout veut dire, parce que on a... Oui, non, mais plus te voir de là mon gars, voilà. Cette fois, nous allons... Je pense que vous arrivez à voir le joli petit drapeau. Nous allons au Brésil. Hein. Donc on a de nouveau. Pousse te voir mon gars. Oui, il a envie. Voilà. C'est une journée câlin. Hein. Il a envie de câlin dans tous les sens. Donc nous avons de nouveau cette petite petit fascicule. Où nous avons de nouveau tous les tout ce qu'on a dans cette petite box. Hein. T'as un peu. Hein, un peu envahissant le chat, hein. Bon tiens, je te laisse ça, comme ça tu peux voir ce qu'il y a de beau. Yes. Allez, pousse-toi un peu. Oh, c'est le chat qui est son... Alors après nous avons de nouveau Brésil, voilà, nous avons une recette derrière, c'est des croquettes au poulet à première vue. Chicken, Brésil, ouais, voilà. Donc c'est bien, il nous file des petits machins avec les petites recettes comme chaque fois derrière. Si quelqu'un sait comment on prononce d'ailleurs, hein, en bon français bien dégueu, ça donnerait coccinas. Voilà. Mais je pense que le X doit se prononcer un peu autrement. Ouais, je pense qu'il doit avoir une autre... Donc n'hésitez pas à... Ouais, laissez un petit com. Même l'écrire en phonétique, comment ça se prononce. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, on va ouvrir ça, voir ce qu'on a de beau. T'as regardé un peu sur la disque qui a été intéressant. Beaucoup de sucré, malheureusement. Ah bon? Ouais. Bon. Hop, donc nous avons de nouveau la petite carte marquée Welcome to Brazil avec plein de petites informations. Donc voilà, c'est par là. Ouais. Hop. Bon, effectivement, il y a plein de petites choses. Elle est quand même fort sympathique. C'est bien rempli. Bon, par quoi qu'on commence? Vas-y, Choquitos. Choquitos? Ouais, ça a l'air d'être du... Non, c'est Choquito. Choquito, pardon. À première vue, ça a l'air d'être un peu la même chose qu'on... Je pense pas si on a la même chose par ici. Si, je sais, ça peut être pas aussi des Choquitos. C'est comme des barres de riz soufflé. Ouais, non, c'est Lyon, je crois. C'est pas Lyon. Bon, on a voilà, Lyon, voilà. Mais Lyon, c'est universel, je pense. Non, c'est Choquito. Choquito. Il est, pas possible ce chat, non, c'est... Il m'a juste foutu un coup de coude. Ouais, bah c'est pas grave. Voilà, il reviendra après, c'est pas grave. Bon, voilà, maintenant il fait la ronche. Bon, on va ouvrir ça, on va goûter. Ah, c'est une petite barre. Moite, moite. J'ai pas tout mangé. Bon, repas, c'est pas mal. Ah, quoique, c'est comme ça dedans, je sais pas trop, on dirait. On voit bien, en fait, quand vous regardez... On va essayer là, voilà, hop. Vous avez une partie chocolat avec des petits graines. Puis dedans, je sais pas, c'est une espèce de praliné. On dirait non. Ça colle dedans. Ah. Mais c'est bon. C'est le Choquito qu'on a en Suisse. Le Choquito qu'on a en Suisse, il colle vraiment. Voilà. Celui-là un petit peu moins. L'autre un peu plus pas, un peu plus long, large. Ça s'appelle comment? C'est Choquito. By Nestlé. Voilà, c'est marqué Chewy Fudge Center and Crunchy Rice Crisps. Mmh. Mmh. Mais c'est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais du tout, hein. Non, non, c'est bon. Ça coule aux dents, mais c'est très bon. Ouais, moi j'ai maté. Tu veux plus? Non, allez, hop là, hop là. Après. Je sais. Bah, vas-y. Je viens de choisir. Bon. Bon, attends. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Diamante Negro. Alors, Negro veut dire noir. Hein, c'est, on n'est pas raciste, loin de là. Voilà. C'est marqué tel qu'est dessus. Hein. Voilà. Diamante et, Negro by Lacta. Voilà. Et on peut le prouver. Hein, si c'est bien, voilà. Donc, ça veut juste dire diamant noir. Voilà, diamant noir. C'est pas raciste. En français, c'est diamant noir. Hein.
Donc à mon avis, c'est juste du chocolat noir, je pense. Hein. Oui, une barre de chocolat noir qui est faite avec du chocolat avec du crunchy honey inside. Bon, bah, on va voir ce que ça vaut. Creamy and smooth chocolate. Alors c'est vrai qu'on est quand même assez intransigeant, nous, avec le chocolat, en tant que Suisse. Hein, faut pas déconner, hein. Ouais. En plus, là, ces petites barres, donc on peut proportionner, c'est pas mal. Oui, je suis désolé. Ouais. Alors toi, il dit chocolat noir, pour moi, je suis désolé. Vu la couleur, c'est du chocolat au lait. C'est pas du chocolat noir, ça c'est sûr. Oh, il a l'air bien dense, hein. Effectivement. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça, cher. Voilà. Il est dans son quart d'heure de folie, hein. Bah. C'est pas du chocolat noir, ça. C'est pas du chocolat noir, je suis navré. Pourtant, il est marqué en tant que chocolat noir, mais je suis désolé. Pour moi, c'est du chocolat au lait. Il y a un petit truc dedans, le petit crunchy qui donne. Oui, parce que c'est du miel. Voilà. Ça donne un petit goût, un autre petit goût. C'est pas mauvais. Mais c'est pas le meilleur. Mmh. Franchement, le petit goût en miel, pour moi, il est trop. Il sert à rien. Ouais. Mais voilà. Bon, ensuite. J'ai pris le premier truc qui me venait. Oula, je pense que tu vas peut-être pas aimer. Banana, je te le laisse pour toi. Alors, c'est marqué. Bananinias. Voilà, tradition. Ninia, pardon. Voilà, voici à quoi ça ressemble. Si vous connaissez, hein. Alors, il te le marque que c'est à quoi, c'est comment. Que c'est des. Juste, il y a un souci de vocabulaire. Donc. Bon, dessus c'est marqué délicieux. Tu fais la musique d'ascenseur pendant que je cherche. Ouais, c'est un peu ça. Donc je vais quand même l'ouvrir pour regarder gentiment. Sur le machin c'est marqué fruit. Alors à mon avis c'est quand même aux fruits. Parce que c'est marqué fruitabella. Ah, ça va être fort en goût parce que c'est dit que c'est fait à base de bananes trop mûres. Donc le goût il doit... Ah, effectivement, à l'odeur. Ça doit être ça. Ah, ça dépote. Et après, ces bananes trop mûres sont mixées avec du sucre pour créer un snack très nutritif. Ouais, ça fait vraiment une pâte hein, qu'on regarde. Je vais goûter, hein, je me tente. Hein. Fait spécialement pour tous ceux qui aiment avoir une nutrition saine à n'importe quelle heure du jour, tous les jours. Ça dit quoi? Que c'est trop bon. Sérieux? Ouais. Tu vois les beignets de banane que je fais? Non. Pas les beignets, les chips de banane? Oui. Voilà. Pour moi, c'est le même goût. Franchement, ça n'a pas le goût du bonbon banane dégueu. Pour moi, je trouve vraiment super bon. C'est vrai que c'est pas mauvais. D'habitude, alors moi, en tout cas, moi, je sais que tout ce qui est... choco, banane, les trucs comme ça, je ne peux pas. J'arrive pas. La banane, pour moi, c'est en fruit, point. Que ce soit mûr ou des fois un petit peu apprêté, différemment, si la banane légèrement cuite pour un banane split ou autre, voilà, ou banane flambée, voilà. Mais dans des préparations, d'autres préparations, je n'arrive pas. Et là, étonnamment, c'est super bon. Oui, c'est bon. Alors, effectivement, il n'y a pas trop d'exhausteur. Comme ils disent, c'est bien mixé, mais ça me fait penser une... Il n'y a rien de rajouté, on dirait que c'est de la banane juste mûre qui est bonne, puis c'est point. Mm-hmm. Je pense qu'au lieu de les jeter, peut-être qu'ils les récupèrent. Voilà. Je pense qu'effectivement, les trop gâtés qui peuvent pas mettre, ben, c'est mixé. Et ça fait des bananes. Et franchement, c'est super bon. Mm-hmm. Oh, c'est bon. Bon, vas-y, fais-toi plaisir, vu que j'ai choisi la petite banane. Je m'absente juste 2 minutes. Oui, à mon avis, il y a un chat qui doit gratter et faire de ses bordels derrière, hein. Bon, on revient d'ici peu de temps. Bon, après le temps mort, on peut continuer, vu qu'on a récupéré les conneries de notre chat. Oui. Bon, bah vas-y, choisis, vu que j'avais pris ça. Oui, si tu veux, ça. Je sais pas, il y a une bonne tête de petit croco. Ah, du salé. Je crois qu'on en a encore un deuxième identique. Non, pas identique, il y en a un qui est au... Genre, où tu veux commencer par celui-là? Où tu veux commencer par celui-là? C'est au fromage. Queijo. C'est alors nous avons là 2 paquets de chips à mon avis assado, voilà comme ça avec une bonne tête, hein, comme vous pouvez voir la tronche qu'il a dessus. Effectivement celle-ci elle est au fromage, tiens vas-y fais-toi plaisir ouvre. Et on a l'autre qui est la même, qui est au jambon à première vue. Mais on va d'abord se faire celle-ci puis après on attaquera, on fera l'autre. C'est non. Ah bah snifouille. Oh. C'est agressif hein. Ouais c'est... faut... Je sais pas, on va voir. Hein. Courage, je te laisse. Ouais.
Peut-être qu'au goût, c'est meilleur qu'à l'odeur. Non, ça n'a pas l'air. Bah, c'est pas si fort, en fait. Ah, effectivement. Alors, ça goûte moins que ça ne ça, hume, ouais, en fait. Ça goûte pas grand-chose. Un petit coup. Ça hume fort, ça c'est sûr. Ah. Et ça goûte. Ouais, c'est léger. Au début, c'est léger. Hein. Le deuxième, moi j'aime encore un peu de résidu de banane. Mmh. Donc. Non, toi, je suis... C'est un peu de goût de pied, je trouve. Ouais. Franchement, mais c'est... Non, c'est bizarre. Ouais, c'est pas le meilleur. Hein. C'est intéressant. Hein. Effectivement, à l'odeur, ça nous prend le nez, ça de... Enfin, ça te fracasse le cerveau. Non, mais ça va. C'est pas... Non, alors, à l'odeur, ça te fracasse le nez, mais au goût, et c'est tellement... Enfin, c'est beaucoup plus cassé, il y a moins... Il n'y a pas cette odeur qui vous prend à la gorge, là. Au goût, c'est un peu meilleur. Mais, même au bout de la deuxième ou troisième fois que je viens de prendre, c'est pas... Non. Ça va. C'est... Voilà. Oh, bah, je m'en chargerai. Bah, je te laisserai. Hein. Là, on va les mettre déjà à côté à madame, hein, voilà. Comme ça, voilà. Bon, ensuite... bon, allez. Qu'est-ce qu'on a de beau? On va prendre ça. Hop là, voilà. C'est du... C'est nouveau Lacta. C'est marqué Laca. À mon avis, c'est la même chose qu'on a eu avant le chocolat. Mais cette fois, c'est au chocolat blanc, je pense. Là, celui-là, là. Laca. Laca Branco. C'est une barre de chocolat crémeuse. Mm. Ouais. Ouais, juste prendre un petit peu d'eau parce que... Goûter du chocolat avec du fromage, c'est pas... Ouais, c'est pas génial. Alors, voyons. Ah, voyons voir. Effectivement, c'est bien un chocolat blanc. Hein. Ah. On voit bien là, hop, voilà. Le chocolat blanc. Tiens. Est-ce que c'est que le chocolat blanc? C'est la même chose que le... Donc il y a de nouveau un peu de miel dedans, tu penses? Diamant noir. Non, il n'y a pas dit que c'est du... Bon. Du chocolat blanc, c'est pas bon le chocolat pour toi du coup. Ça me fait tellement penser au galac. T'as fini tes conneries, c'est bon, hein? T'as fini de gratter sur les sacs et tout, c'est bon, hein? Non, y a rien pour toi mon petit chat. C'est, ouais, celui-là, franchement il passe mieux que l'autre. Y a rien à dire, moi je l'aime beaucoup. Non, alors le carton, c'est celui-là, c'est le nôtre, tu l'auras quand il sera vide, hein? Il en aura assez. Oui, ça sera un panier pour les chats. Hein. Bah, si ça bouge, c'est normal, le chat est vers le pied de la caméra, donc ça bouge un peu. Bon, je te laisse choisir ensuite. Bon, il nous reste plus grand chose. Hein. Il nous reste une petite chose, deux petites choses. Trois petites choses. Et trois autres un petit peu plus gros. Bah, allons, goûtons celui-là. Tu veux prendre ce au jambon là, les autres Yokito là. Yokito, ça peut être bon, qui sait. Ok, allez hop. Donc, les gnocchis, cette fois, au jambon. Je sais pas. On se méfie en même temps du chat parce qu'on sent la connerie qui arrive. Alors, à l'odeur, c'est déjà nettement meilleur. Ça fait vraiment les chips bacon. Oh, ça me fait penser aux chips bacon, ouais. Hein. Et au goût. Au goût, je suis... Elles sont pas mauvaises. Mais elles sont plus le bacon que ça a goût, en fait. Ouais. Non, ça va. Elles sont pas mauvaises. À la fin, il y a un autre goût qui revient. Je trouve qu'il faut pas comprendre qui, hein, parce que comme avant, on a eu du chocolat, faut annuler le chocolat avec un. Donc on a un premier goût. Pour prendre une ou deux fois. Non, elles sont pas mauvaises. Pour les petits apéros, ça peut être sympa. En même temps, il est seulement 15h32. L'apéro, c'est pas avant 2h à peu près. Hein. Oui, mais il n'y a pas d'heure pour l'apéro, hein, comme on dit. Il dit ça à ton régime. Ouais, c'est ça, voilà. Bon. Bah, elles sont pas si mauvaises, hein, franchement. Moi, j'aime assez. Enfin, je préfère celle au bacon jambon qu'au fromage, hein. Y a pas... Non, c'est sûr. Bon, ça peut-être pour après. Vas-y, c'est à moi de prendre? Oui. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, nous avons un petit... Alors ça, le nom, j'aime bien. Ça dit Serenata de Amor. Voilà, la sérénade d'amour. Peut-être. Je pense. Donc voilà, un petit bonbon ou un petit biscuit. Alors il dit que le goût est exquis. Bon, on va voir. On va déjà déballer le petit papillon. Ah. Cachou crème. Ah oui, bah vas-y, goûte. Là, c'est un petit goût chocolat, on dirait. Alors. C'est vraiment... C'est tout fluffy, on dirait une...
Je sais pas trop. Mais c'est pas mauvais. Oh bah chocolat, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Deux cambous. C'est deux couches de délicieux chocolat. Flavor coating. Ah non, délicieux chocolate flavor coating. Je sais pas ce que vous dites coating. Je sais pas, mais c'est pas grave, mais c'était pas mauvais. Voilà. Non, mais c'était pas mal, hein. Bon, je te laisse choisir ensuite, chouchou. Non. Donc je choisis, c'est ça. Choisis. Bah ça, je pense que ça doit être des bonbons, voilà. Nous allons, je vais prendre, j'ai pris l'autre petit, c'est une petite barre comme ceci là, voilà. C'est marqué Barton. Bref, je regarde, j'essaie voilà. De traduire directement, oui. Mais ça veut rien dire. Alors après, comme... là j'ai pris les petits Barton. Barton by... Garoto. Voilà. Délicieux. Ah, ça a du chocolat, on dirait. De nouveau. C'est marqué chocolate stick in the cylindrical form of a bâton. Ah, effectivement, voilà, quand on déroule comme ça. Ah, c'est marrant. Nous c'est avons... comme les bâtons de cacao. Voilà. En nous avons... ou Guadeloupe. Voilà, nous avons vraiment un stick de chocolat. On va croqueter dedans, vas-y. Croque. Il est consommé par plus de 17 millions de Brésiliens. Et des chanceux. Ça fait crunch. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Santé, hein? Ah. En soi, il est pas si mauvais. Il est amer un peu. Quand même amer. Ouais, effectivement. Après, je pense qu'ils ont d'autres trucs qui sont nettement plus sympas là-bas. Le chocolat, faut laisser ce qui est aux Suisses. Je suis désolé, le ou chocolat. Ou aux Belges, s'il y a des Belges qui regardent. Ouais, ou aux Belges. Les Belges, vous faites aussi du bon chocolat, voilà. Rien contre. Voilà, donc on va dire, la Belgique, les Suisses, master of chocolat. Le reste, faut laisser tomber. Hein. Les autres pays qui font du chocolat, non. Voilà. Non, si vous avez des ça serait quand même marrant qu'il existe une espèce de trip comme ça, mais avec du chocolat qui vient de plein d'endroits différents dans le monde, histoire qu'on goûte un peu, parce que on connaît pas beaucoup, on connaît le chocolat suisse, le chocolat belge, certainement français. Le chocolat guatemala, français, machin, voilà. On a 2-3 endroits, mais après c'est des firmes suisses qui prennent les fèves de cacao dans les pays qui les transforment. C'est pas des fois des productions directement du pays. Mais il faudrait trouver. Effectivement. Ça serait, si d'ailleurs, par hasard, quelqu'un connaît un site ou un... Ah oui, on est preneurs. Effectivement, on est preneurs. Envoyez-nous dans les commentaires si l'adresse. On est vraiment curieux. Quoi. Ouais, ça peut être sympa. Bon, il nous reste deux petites choses là-dedans. Vas-y, fais-toi plaisir, choisis. T'as soit du sucré, soit du salé. Salé. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est les Torcidia Sabor Galetto. Ouais, oh, il y a un poulet dessiné. Ouais, je pense que c'est des petites choses goût poulet. Voilà. Nous avons ceci. C'est dit que c'est des petits snacks crackers. De football. Snack de football. C'est marqué « These chips are a great football snack ». Ok. Which means torcida, which means cheer party. C'est vraiment des petits trucs. Je sais pas, je vais voir si vous arrivez. C'est vraiment des tout petits snacks, hein. Voilà, c'est vraiment des. Apparemment, c'est des snacks qu'on savoure entre copains pendant match de foot. Franchement, regarde, c'est. It's a reference to friends gathering to watch the football matches. Voilà, tu vois comment. Donc je pense, ah, c'est tout soufflé, j'adore. Ouais. C'est tout soufflé. Ça se laisse bien manger ça. Ah ouais. C'est pas mal, hein. On imagine tenant son cornet comme ça et puis quand il y a un bon goal. Non, puis d'un coup goal. Puis il y a deux qui fout le gant. Ouais, bien sûr. Ça peut être sympa. Bon. Bah franchement c'est pas mal. Ouais. Moi j'aime assez. C'est pas trop fort en goût, mais il y a un petit goût rôti qui est sympa. Ça passe bien effectivement pour les petits apéros, ça c'est royal. Bon, ben on va passer à la dernier petit item de cette box. Les passatempo. Voilà, les passatempo sabor chocolat. Voilà. Un petit paquet de biscuits comme ceci. Extremely popular cookie in Brazil. Une portion. Ah, à mon avis, c'est portionné. Donc ça peut être cool.
Ah non, pas non. C'est peut-être nos BN un peu. Enfin, l'équivalent de BN, tu vois. Ah non, c'est rempli de chocolat. Ouais, par contre, c'est rigolo parce que. Il y a des petits animaux dessus. C'est ça, voilà. Moi, j'ai un crocodile. Et moi, j'ai un petit zèbre. Voilà. Oh, donc, nous avons, on voit là-dessus un petit crocodile. Ah, puis de l'autre côté, j'ai un petit nounours. Et un singe de l'autre côté. Voilà. Petit singe. Donc, voilà. Donc, non, c'est cool ça. Bon, on va quand même goûter, voir ces petits chocolats. Enfin, ces petits biscuits. Tu restes des petits biscuits sablés chocolat dedans. Ouais, mais tout à fait. C'est plus que honorable. Hein. C'est bon. Mmh. Ouais. Je mangerai pas toute l'après-midi, mais. Ah bon? Non, hein, quand même. Mais ils sont pas mal. Non, ouais, c'est sympathique. Bon, ben sur ce, on va finir de mastiquer notre petit. Lequel as-tu préféré? Ben. C'est compliqué. À mon avis, les meilleurs. Ouais. Lesquels? Alors, je pense que c'est les petits, les trucs, les petits comme ça, là. Les petits soufflés au poulet, là. Les petits sabords galetto. Je pense que c'est les meilleurs. Moi, en tout cas, pour moi, pour là. Pareil. Je pense que sur l'ensemble, après, j'ai un bon feeling pour le truc à banane que j'ai goûté aussi, qui franchement qui était pas mal. Mais sur le tout, ouais, le truc au poulet reste le meilleur. Et sinon, c'était aussi sur le poulet? Ouais, ouais. Okay. Et le pire? Le pire, je pense, c'est celle-là. Le fromage? Ouais, les espèces de petits snacks fromage à l'odeur, ça m'a... Les chocolats, ils sont pas mauvais. Ça... Voilà, ça reste du chocolat. C'est pas les meilleurs, mais ça reste du chocolat. Ils sont plus que mangeables. Celle-là-ci au fromage, ah, j'ai comme de la peine, ça m'a... Ça m'a pris le pif là, c'était assez violent. Donc j'ai eu quand même de la peine. Voilà. Et toi, le pire, c'est la même chose? Non, moi. Qu'est-ce que ça en pire? Je sais pas, peut-être le bâton de chocolat. Que le bâton là? Ouais, c'est effectivement, mais moi ça va encore. Et le plus bizarre? Le plus bizarre, je pense, c'est le truc banane. Oui, aussi. C'est le plus bizarre, mais pour ma part, celui-là qui est très bon quand même. Par bizarre. Entendons-nous, c'est plutôt intrigant. Voilà, c'est un surprenant. Peut-être. C'est surprenant, voilà, effectivement, de voir les bananes comme ça, quand ils ont réutilisé, puis faire un snack super condensé en banane, et franchement, qui est pas dégueu. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, nous, c'était super sympa, en plus de voir cette fois sur le Brésil. Hein. On a vraiment changé de continent. On a fait une fois l'Asie, on a fait une fois l'Europe. Là, on est parti en Amérique du Sud, donc franchement, c'est cool. Donc on verra bien la prochaine, donc bah, si vous êtes encore en vacances, profitez bien. N'oubliez pas de nouveau de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao!